Je vous retrouve donc comme convenu, cher public, pour la lecture de ce palmarès. Le jury avait donc différentes mentions à décerner à sa disposition. Il y avait des mentions assez bien, des mentions très bien, et ensuite le podium avec la médaille de bronze, d'argent, et enfin le trophée Clé d'Or. Le jury a décerné en niveau initial une mention très bien à Zaïd Benima, ainsi qu'à Mohamed Safir Yassine, une mention très bien, avec déjà une première médaille. Une médaille de bronze pour Maé Likwa. Bravo Maé. Et enfin, dans ce niveau initial, la médaille d'argent revient à Mehdi Guessous. Bravo jeune homme. Nous poursuivons avec le niveau débutant 1. Une mention bien à l'unanimité du jury pour Nouider Malak, ainsi que pour Adam Dumont. Une mention très bien pour Shamsi Fatih. Niveau débutant 2. Une mention bien pour Rita Safir. Une mention bien également pour Fatih Meshan. Mention bien à l'unanimité du jury pour Abdallah Nejar, ainsi que pour Malak Boufetal. Une mention très bien avec en prime la médaille de bronze pour Aura Berdugo. Médaille d'argent ex aequo à Levana Dvora ainsi que Emma candidat Esther Perez. Alors j'apporte juste une petite précision. Le jury a la possibilité remonter quelques niveaux ou au contraire de rétrograder en fonction du niveau général. Exemple, un candidat qui s'était inscrit en niveau débutant 2. Le jury avait la possibilité de le mettre directement en préparatoire 1 ou alors en débutant 1. C'est en fonction donc du niveau général, donc ne soyez pas surpris si parfois, il n'y en a pas eu beaucoup, mais si parfois les niveaux ont été un petit peu interchangés. Nous allons poursuivre avec donc le niveau préparatoire, mention assez bien pour Lilia Berada et une mention très bien pour Inès Mourise en niveau préparatoire. En niveau élémentaire, première année, une mention assez bien pour Taibi Benima, ainsi que pour Zeyna Moudan et Ismail Benbala. Une mention bien pour Ghani Toujar et une mention très bien pour Admi Ali. Et la médaille de bronze en niveau élémentaire 1, médaille de bronze, revient à Ismail Nasser. Voilà. Alors, nous allons enchaîner avec la guitare avant de poursuivre avec le piano, puisque les guitaristes sont en niveau élémentaire, également élémentaire première année. Une mention bien pour Paul Moster, mention très bien pour Maël Legren et médaille d'argent pour Théophile Jovanovitch. On poursuit avec les pianistes, niveau élémentaire 2. Une mention bien à l'unanimité pour Mehdi Touijar. Une mention bien à l'unanimité également pour Halima Safir. Médaille d'argent ex aequo. Médaille d'argent ex aequo pour Sarah Regig et Omnia Sayad. Et enfin, dans ce niveau élémentaire 2, la clé d'or revient à Ralia Septi. Vous pouvez l'applaudir, oui, je sens déjà les crépitements de vos applaudissements, mais elle le mérite amplement. On poursuit avec les 4 derniers candidats. En niveau moyen, ils étaient 2. Médaille d'argent pour Lynn Schrocki et clé d'or pour Thuy Dangchi. Bravo, mademoiselle. Et enfin, au niveau supérieur, il s'agit du frère et de la sœur. Le frère a obtenu, il s'agit de Mohamed Admi, il a obtenu la médaille de bronze. Et sa sœur a obtenu, Rania Admi a obtenu la clé d'or. C'est une affaire de famille. Il s'agit bien de famille, nous étions tous ensemble pour organiser ce concours des clés d'or. J'ai eu énormément de plaisir avec les membres du jury qui m'ont accompagné dans cette mission. Vraiment, c'était un plaisir qui est chaque fois renouvelé, comme je vous le disais tout à l'heure, au début de la retransmission. Donc, on espère bien évidemment vous retrouver très très vite dans les mois prochains, et en tous les cas l'année prochaine, pour un concours en présentiel. Donc voilà, organisez-vous bien.
continuez à être toujours très prudent, très vigilant, et surtout, continuez à travailler comme vous le faites, sous la houlette de vos professeurs. L'occasion pour moi de féliciter les deux professeurs principaux qui avaient des élèves. En l'occurrence, il s'agit de Nicole Salmon-Boyer et Fatima Anas. Mais il y en avait d'autres également. Donc, bravo à vous, mesdames. Continuez à faire travailler vos élèves comme vous le faites. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine édition du concours des Clés d'Or. À bientôt.